Bon matin, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 7h20 à peu près. Puis j'ai encore dormi en bas parce que mon chum s'est mis à ronfler encore une fois. Puis là, j'étais en train de starter une brassée de lavage. Hier, je vous ai pas parlé malheureusement après d'avoir été porter mon chum au travail. J'étais arrêtée me chercher un café. Puis, j'ai remonté tout de suite à la maison. Puis, quand ça a été le temps de mon rendez-vous, ben je suis partie à mon rendez-vous avec ma belle-mère et tout. Fait que j'ai vraiment pas eu le temps de vous refilmer de la journée. On a passé un peu la journée dans le chemin. On est allé... J'étais allée à mon rendez-vous. Après mon rendez-vous, on est allé sous... dîner chez McDo du Walmart parce que Amélia dormait, fait que ça me tentait pas de la réveiller tout de suite. On est allé avoir rendez-vous. Elle s'est endormie en descendant. J'ai pas eu des bonnes nouvelles à mon rendez-vous. Je me suis fait dire qu'il faut que je passe d'une IRM, une résonance magnétique, pour savoir si j'ai pas une déchirure. Parce que selon le physio, mon genou aurait débarqué. Pas mon genou, mais ma rotule aurait débarqué. Puis rembarqué. Mais elle serait déplacée, là. Fait que. Fait que c'est ça. Puis là, il faut que je marche avec des béquilles. Moi qui est tellement pas habituée de marcher avec des béquilles. Puis que je garde mon attelle en tout temps. Que je marche le moins possible. Que je conduis le moins possible. Mais c'est pas ma réalité. Hein. Moi, je peux pas être au repos non-stop à tous les jours. J'ai un bébé de 11 mois m'occuper quand même. Hein. Là, elle va à la halte de garderie aujourd'hui. Fait que là, faut que j'aille la réveiller. Là, j'ai ma belle-mère avec moi, mais à part demain matin, en autobus, non? Fait que après ça, je sais pas ce que je vais faire, si je descends à Rivière-du-Loup ou pas. Puis là, mais pas avoir un rendez-vous en résonance magnétique où je passe par mon médecin. Mais là, mon médecin est à Rivière-du-Loup et j'en ai pas à Québec. Fait que c'est tellement compliqué, là. C'est ça, pas avoir de médecin de famille à Québec, là. Puis là, mon genou, le matin, il me fait mal. J'ai mis ma prothèse. J'ai dormi... vous n'allez plus me voir. J'ai dormi en bas parce que mon chum est ronflé puis tout. Fait que c'est ça. Je vais essayer de vous emmener un petit peu avec moi dans ma journée. Ça risque d'être tranquille aujourd'hui aussi. Je vais aller porter la petite à la garderie. Puis après ça... Oh, il y a neigé, nous autres, puis ça a resté au sol. Je vais essayer de ne pas me planter dehors, par exemple. Je vais mettre mes bottes d'hiver, ça c'est sûr. J'ai commencé à les mettre depuis un petit bout. Puisque là, je suis dans mon sol, là. Vous voyez vraiment pas. On voit-tu un petit peu la neige? Ouais. Oui, on voit. Fait que neigé, puis la neige est restée au sol. Fait que là, vous n'allez plus rien voir. Je m'en excuse. J'aurais dû descendre mes béquilles en bas, mais ça me tentait pas. Fait que moi, je vais monter en haut. Je vais préparer le déjeuner, le lunch pour ma fille. J'ai vraiment mal au genou le matin, là. Je pense que je vais... prendre une pilule. Fait que nous, on va se parler un peu plus tard. C'est quoi ça? J'espère que vous allez bien. Voyez-vous, un matin, la neige est vraiment de plus en plus présente. Un matin, c'est... Ouais. Sur la rue, puis quasiment pas sur les pelouses, mais là, ça y va, là, vraiment. C'est vraiment la tempête qui tombe dehors. Puis là, ben, ma belle-mère est partie porter ma fille à la halte de garderie. En fait,
Je suis présentement à la halle de garderie, mais moi, je suis restée dans la voiture parce que je vais économiser de la marche. Puis, devinez qu'est-ce qui m'est arrivé juste avant de sortir de la maison. Un gros fail de ma part. J'en ris tellement que c'est drôle. J'ai voulu prendre mon café dans le micro-ondes parce que mon café était frais, fait que je voulais qu'il soit un peu plus chaud puis l'emmener avec moi dans mon thermos puis tout. Mais finalement, je me le suis renversé dessus. Oui. Je me le suis tout renversé dessus. Sur les jambes à terre, sur le meuble, sur le comptoir, sur tout. Là, ma belle-mère s'en vient. Puis on s'en va chez IGA faire un petit peu d'épicerie. Puis aller voir. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Tu peux passer en vitesse si tu veux. Ouais. J'espère que vous allez bien. Il est présentement 11h05 et j'arrive d'aller porter la. Ben, ça va être du moment que je suis allée porter la petite à la garderie. Ouais, on est arrêté d'aller porter la petite à la garderie. Puis après ça, on est allé à l'épicerie. Faire des petites commissions, je suis allée voir ma boss pour me faire mettre en arrêt de travail. Et là, il faut que j'appelle mon médecin pour avoir toute la patente, IRM. C'est du taponnant. On va vous montrer ce que j'ai acheté à l'épicerie. Attends. Juste pour vous dire, si vous voyez quelqu'un passer dans mon background, là, c'est la mère à mon chum. Elle est venue à Québec passer un peu de temps avec nous. Fait que j'ai acheté du pain. Des échalotes. Un saumon parce que je vais me faire un petit tartare de saumon pour dîner. J'ai acheté du café. On va mettre ça au restaurant. Des gaufres qu'on va mettre au congélateur. Mes gâteaux préférés, des brownies. On attend du frigidaire ou en bas? Dans le congélateur. En bas. J'ai que moi, c'est de la place en haut. Okay. Ensuite, de l'eau qui pique, de l'eau pétillante. J'en ai mis un en haut. Fait que ceux-là, je vais les mettre dans l'armoire en bas. Ensuite, j'ai acheté de la sauce béchamel parce que je vais faire un pâté au poulet parce qu'on est allé au Costco. Fait qu'on a acheté du poulet que j'ai désossé. Puis là, on en a mangé toute la semaine. Fait que là, pour souper, je vais faire un pâté au poulet. C'est tellement dur à trouver des. À trouver des croûtes à tarte avec des croûtes à tarte avec les rebords, les couverts. Tellement dur à trouver. Fait que j'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté du lait 3,25 parce qu'on va se dire que du lait, ça passe vite. Mon chum, il a acheté au Costco du lait comme ça. Ensuite, j'ai acheté du yogourt à la framboise. La petite vache. L'autre bouteille d'eau qui pique. Du yogourt comme ça est en spécial à 2$. Du porc haché parce qu'on va sûrement se faire des tacos cette semaine. Des petites saucisses. Tiens, si tu veux ton café, Aline. Ah, c'est ça qui est. Tu veux, j'ai acheté des framboises. Non. Okay. C'est ça que j'ai pris finalement pour faire le pâté au poulet. Ouais. Mais je pense que je vais essayer d'aller trouver ailleurs des. La croûte puis le top là.
Parce que la madame, je me suis renseignée, puis la madame me dit que c'était discontinué. Un autre café, puis on va espérer ne pas se le renverser après cette fois-ci. Riposte, pas drôle. Et après ça, on va aller faire du montage. Parce que, ici à Québec, c'est la tempête de neige. Mais c'est peut-être pas la grosse. Non, il neige, on va pas vraiment là-bas. S'il neige toute la journée, parce qu'il va noir voir. Oui. L'hiver. Noël est arrivé. On pensait que la semaine passée, que Noël est passé, ça nous le dit. Une prochaine chose que je voudrais racheter à l'épicerie ou à quelque part que je peux en trouver, vu que j'aime moins mon creamer à la menthe poivrée, j'ai envoyé une note à la compagnie puis ils vont m'envoyer des bons de réduction. Mais j'ai envie d'aller acheter de l'essence de menthe. Pour ça, je pars chez Walmart dans le coin de la pâtisserie. Comme des trucs de même, c'est de l'essence de menthe puis que je vais mélanger dans mon lait 3x25. Ça va me faire une mousse de lait à la menthe. Parce que je vous l'ai montré cette année, le creamer à la menthe poivrée, ben c'est même pas à la menthe poivrée, c'est mocha à la menthe, fait que c'est du chocolat à la menthe. Fait que dans mon petit tartare que je vais me faire ce midi, j'ai du temps moi à perdre. Hein? J'ai du temps pis du temps. Ça se voit pas là, mais j'ai du temps. Fait que je vais avoir du temps en masse pour faire du montage, les amis. Ouais, fait que là, pour souper, les amis, je vais faire un pâté au saumon. Un pâté au saumon, ouais. Mais je suis plus parmi. On est comme vendredi. On est juste mercredi. Ça va pas bien, mon histoire. On en fait. J'aurais voulu acheter du cheese pour faire des bons petits pains au fromage, comme que je fais des fois. Mais là, il était 5,99. Fait que. Il va souvent venir moins cher ou au Costco si il est même prix. J'espère que vous autres, vous passez une belle journée. Je voudrais aussi commencer mes cartes de Noël. J'ai même pas mon sapin de Noël de fête, puis vous me connaissez que je trippe, moi, sur Noël. C'est juste que, en début de novembre, tout le monde était malade, ma mère, moi. Puis qu'on n'a pas vraiment fait. On n'était pas dans le mood de faire les décorations d'Halloween. L'année passée, décorations de Noël. J'étais pas dans le mood, j'étais enceinte l'année passée. Puis l'année d'avant. Moi, j'aime ça me faire du tartare de saumon avec des gros morceaux. Puis je sais pas si je vais changer mes pantalons. Ça va sentir le café longtemps, là, mais. C'est que mon manteau, il faudrait que je lave. Hein. Au moins, ça prend mal, on va dire. Ouais. Ça sent bon du café, au moins. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Bon jeudi matin. Moi, je suis levée depuis 5h et quelques. En fait, j'ai dormi sur le divan toute la nuit. Je me suis réveillée à 1h et quelques du matin, mais je me suis rendormie. Je pense que moi, ça ne tentait tellement pas de déplacer mon genou que j'ai dormi carrément sur le divan. C'est sûr qu'on ne dort pas, c'est pas la position la plus confortable, mais bon. Je me fais à se réveiller de bonne heure. Fait que je vais me préparer un café. Hier, j'ai essayé de faire le montage du vlog du 4 novembre, mais je me suis endormie dessus. J'ai même fait une sieste une sieste dans l'après-midi. Puis hier soir, vers 9h, je m'endormais là. Parce que je vais sur le divan à rien faire. Fait que c'est normal à un moment donné que je m'ennuie puis que j'ai rien à faire. Fait que.
Fait que je me suis endormie. Là, je vais donner à déjeuner à ma petite. Je vais lui donner des biscuits maman. Avec du fromage à la petite poche qui est puis vers 8h30, on va partir. Puis on va aller porter ma belle-mère à l'autobus. C'est ce matin qu'elle part. Fait que là, je vais être tout seul avec ma petite. Mais moi, je vais sûrement partir dans l'après-midi. Pas dans l'après-midi, mais je vais sûrement partir en fin de semaine pour descendre dans le Bas-Saint-Laurent. Mais. Parce que je pense pas être capable de m'occuper de ma petite toute la semaine toute seule. Surtout pour aller faire les siestes puis sortir, si on veut sortir de la maison. Puis en plus que la neige est arrivée, ça va fonctionner. Donc on va rester. Aujourd'hui, on va sortir, on va aller faire. Aller porter ma belle-mère. Puis je vais peut-être aller faire un tour à l'épicerie encore, je sais pas laquelle. Mais aller faire un petit tour à l'épicerie pour aller acheter d'autres laits, du lait pour nous. Je vais aller acheter d'autres biscuits maman. Je sais pas si je vais aller au Walmart de fleur de lys. Je m'en vais dans le vieux. Et je vais essayer d'aller faire du montage à matin. Je sais pas moi ce que je vais me faire pour déjeuner ce matin. Mais je commence avec un café. Hier, on a mangé. Hier, j'ai fait un pâté au poulet pour souper. Puis je vous ai filmé un petit peu. Je vais ajouter un petit peu de créma, mais juste un petit peu. Je pense que la prochaine fois, je vais aller au Costco. Je vais pouvoir acheter un plus gros morceau de fromage de la vache qui rit parce qu'elle aime ça. Je vais essayer de mettre le vlog en ligne avant 8h. Avant l'émission de Papa Spartou de ma fille. Il est encore tombé de la neige cette nuit. Un petit déjeuner brunch. Des œufs avec des petites saucisses comme ça. Ils sont bonnes jusqu'à aujourd'hui. Donc on va les partir aujourd'hui. Ça va être fait. Je vais pouvoir les manger réchauffer. Je vais peut-être même les congeler. On va mettre un petit filet d'huile. Allumer le rond à 6, medium 6. Je vais faire un petit biberon de lait. Je reviens. Je vais faire ma petite pêche de pêcher.